C'est une très bonne chose pour les États-Unis, surtout, et aussi pour le monde, je pense. Je pense que c'est plutôt une bonne chose pour les États-Unis. C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il avait plus d'arguments quand même que... Comment il s'appelle déjà ? Concernant la couleur de peau, je trouve pas que ça a quelque chose, un impact dessus. Je pense que c'est plutôt son parti, ce qu'il défend et ses compétences politiques. Okay. Donc on a tous remarqué qu'il est très bon. C'est pour ça qu'il a été réélu, je pense. Peut-être que ça a pu susciter sa réélection, mais ses idées, il les a en tant qu'homme, pas seulement en tant que président noir, en fait. Je dirais oui et non, vu que l'Amérique, c'est quand même assez... coloré, je dirais. Donc, c'est pas obligatoirement qu'il soit noir. Je pense qu'il aurait été notre couleur. Il aurait passé, vu son charisme, il aurait pu passer aussi. Non, je pense pas. Je pense, oui, que ça a apporté, parce que même au niveau des Européens, il a porté une nouvelle image et je pense que ça a été quelque chose. Et ça a été un grand pas pour l'Amérique qui a eu ça, pour moi. Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas devin, mais bon, je pense que oui, peut-être. Je pense pas vraiment. Bon, c'est quelque chose, mais je pense pas vraiment. Je pense plutôt, c'est un avantage aujourd'hui qu'il soit le premier noir, pour nous, tant que noirs. Mais je pense que non, il a travaillé réellement. Il a fait de quoi pour qu'on puisse soit réélu aujourd'hui. Bon, il a renouvelé son mandat. Je pense que, ouais, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué le fait que ça soit un black. Bien sûr, ça a pu jouer aussi, parce qu'avec l'histoire de l'Amérique... avec les Noirs, le racisme et tout, bien sûr, ça a joué sur son élection et tout. Il a pris les choses vraiment à terre, à zéro. Il a rééquilibré et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit réélu. Les gens ne voulaient pas, mais ça a changé beaucoup pour eux. Il n'y a plus de racisme comme maintenant. Moyennement, mais je pense qu'il pourra mieux faire durant les 4 prochaines. Je pense que c'est une bonne chose. Il a apporté quand même beaucoup aux États-Unis, je trouve. Ça a beaucoup changé de George Bush. Et je pense qu'il n'a pas fini d'apporter toujours aux États-Unis, c'est tout. Bah, vu la situation actuelle économique, il ne va pas pouvoir faire de miracle, mais au moins il continue son mandat et il va essayer de colmater peut-être certaines brèches. Pourquoi pas? S'il est aussi bon qu'Obama, je pense bien, oui. Ah, tout à fait. C'est ce que j'ai dit, parce que ça montrerait au peuple la richesse de tout le monde. Oui, oui, c'est bien naturel. Pourquoi pas? Il y a des Français noirs. Pourquoi pas? En fait, c'est l'homme qui m'intéresse. La couleur, peu importe. Ben, pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Tout peut arriver, on sait jamais. Bien sûr. Bien sûr. Ça m'est égal. Ça n'a pas d'importance. Je pense que c'est pas vraiment la couleur de peau qui peut améliorer un pays. Mais ça serait très bien, parce que je pense qu'il serait quand même plus au fait de nos difficultés en tant que population noire. Oui, mais quand? Quand? You're the reason a young immigrant who grew up here and went to school here and pledged allegiance to our flag will no longer be deported from the only country she's ever called home.